Chef de Saint-Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une très grande joie de faire enfin cette émission qui a été annoncée depuis quelques jours, une émission de dénonciation en profondeur du ministère de la Voix internationale, ce ministère où beaucoup parmi nous, moi y compris, avons été esclaves depuis des années, esclaves financièrement, sexuellement, émotionnellement, esclaves de ce ministère qui a été fondé par cet homme, Victor Lowell, un imposteur, comme nous l'avons découvert par la suite, nous ne le savions pas à l'époque où nous l'idolâtrions, nous prenant en quelque sorte pour Dieu. Mais au vu des mensonges terribles, des faussetés que nous avons découvertes, qu'on a commencé d'ailleurs à exposer dans le cadre des émissions derrière cette trompette, c'est lamentable de savoir comment nous avons été trompés, grugés par cet homme qui prétendait avoir reçu de manière audible les révélations de Dieu. D'ailleurs, il a plagié des ouvrages d'autres abominables faux pasteurs qui l'ont précédé. Vous voyez par exemple ces deux ouvrages, recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui et Neba Agion, Holy Spirit Neba Agion, des livres qui ont été plagiés, qui ont été copiés sur la base de ces livres d'autres faux pasteurs comme E.W. Bullinger et J.E. Style. D'ailleurs, nous aurons une émission spéciale là-dessus dans quelques jours. Alors, pour exposer en profondeur ce ministère abominable qui entraîne beaucoup de personnes en enfer, pour ne pas dire de Highway to Hell, la voie internationale pour l'enfer, j'ai avec moi un couple, les époux Bervois du côté de France, qui ont été aveuglés, qui ont été aussi esclaves de ce ministère pendant des années. Ils en sont sortis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile de sortir d'une secte. Alors, bonjour François et Grâce, est-ce que vous nous recevez? Bonjour Georges, oui, nous te recevons très bien, merci. Voilà. Ah, super, super, Dieu soit loué, le son passe à merveille. Alors, c'est une joie de vous avoir et d'exposer ces choses. J'aimerais vous passer la parole pour vous présenter, pour vous introduire et donner surtout les motivations de cette émission, pourquoi vous avez accepté de vous joindre à nous pour faire cette émission. Alors, vous avez la parole. Jésus-Christ TV. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.